Bonsoir. À l'occasion du 20e anniversaire de Disneyland Paris, qui fait rêver petits et grands, nos caméras ont été exceptionnellement autorisées à filmer l'envers du décor. Et vous allez voir, c'est saisissant. On y va. Bon, bien. Allez, à tout à l'heure. Bonne parade. Merci. En exclusivité, vous allez découvrir des endroits tenus habituellement secrets et totalement fermés au public. Car derrière d'importantes barrières de sécurité, il existe une ville bien cachée, implantée tout autour du parc. Au total, plus de 500 métiers, artisans du luxe, artistes, décorateurs, costumiers, jardiniers, sont employés à entretenir la magie du lieu grâce à un savoir-faire hors pair. De l'immense atelier de costumes des princes et des princesses et de l'habillage des 250 poupées de l'attraction Small World à la maintenance des robots articulés et télécommandés des pirates des Caraïbes, en passant par la dorure à la feuille d'or sur les décors en résine ou la restauration de vitraux sur le château, ici, tout est fabriqué sur mesure. Vous découvrirez aussi de nombreux métiers en voie de disparition. Créateurs de taupières, barbiers, cascadeurs de western, faux cow-boys, mais vrais indiens venus d'Amérique. Vous entrerez au cœur de la célèbre parade et dans le fameux canon de Space Mountain. Là, on est dans l'antre de la bête. Ici, on est dans le cœur de Space Mountain. Mais tout de suite, place aux rêves et à la féerie du monde de Disney. Chaque jour, sans exception, dès 8h30, le parc s'éveille. Les premiers visiteurs sont immédiatement immergés dans un monde hors du temps. Sur fond de maisons victoriennes, de châteaux de contes de fées et de voitures anciennes aux allures de jouets. Je suis un vrai conducteur qui conduit une vraie voiture. Il faut faire croire aux visiteurs que c'est la réalité. Et vous, ça vous sort de votre quotidien? Oui. Je préfère travailler ici que dans une usine. Il faut dire qu'ici, on est loin des réalités du monde, plongé dans l'univers de l'enfance, surtout lorsque commence la parade quotidienne. Mais il suffit de faire quelques mètres, d'emprunter l'un des passages réservés aux 14 500 employés pour se retrouver en coulisses et revenir à la réalité. C'est là qu'arrive en début de matinée Céline, danseuse dans la parade. Salut Céline, tu fais CCPH Mickey aujourd'hui plus rapide. D'accord. Elle fait partie de la troupe des 60 artistes qui ont entre 18 et 25 ans. Je m'appelle Ashley, je suis anglaise. Je suis belge. Je suis italienne. Je suis anglaise. Sur le parc, au total, près de 100 nationalités sont représentées et 20 langues sont parlées. Adrienne, trois perles. Ils ont 1h30 pour se transformer en personnage de conte de fées. Tu es normalement en Dwarfkin, il y a pas eu de changement. Voilà, tu es perle, ouais. Ok, merci. À cette heure-ci, on distribue les rôles de la parade. Comme ça, ils viennent vérifier ce qu'ils vont faire dans l'après-midi et ils viennent prendre leur costume. Tous les jours, c'est un peu la surprise. Ils apprennent une heure et demie avant, en fait, leur rôle dans la parade. Voilà la bête et les chaussures. Merci Nathalie. Puis on est un petit peu dans le speed parce qu'il faut qu'on passe en cosmétologie, qu'on s'habille, qu'on aille faire nos mises en place pour répéter une fois la chorégraphie parce que parfois on nous attribue des rôles qu'on n'a pas fait depuis plusieurs semaines, ça peut arriver. Tout est réglé heure par heure, donc il faut être au rendez-vous à l'heure précise. Et l'étape maquillage est indispensable pour se métamorphoser en flamme, en abeille, en liane, en fleur, en pirate ou encore en autruche. J'ai les pattes, je vais avoir les cils, les plumes, je vais avoir un chapeau avec une petite tête d'autruche dessus. Céline sera cette fois-ci Miss Pearl dans Mary Poppins. Ça va Camille? Oui. Je te fais quoi, Mexique? Déjà sa quatrième saison. Étonnant pour cette jeune femme de 28 ans, titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste. Quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai tapé sur Internet, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Et j'ai tapé spectacle.
Et là, j'ai vu des annonces pour les auditions pour venir travailler à Disneyland. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer pour faire une petite expérience, ça peut être rigolo. Et puis finalement, bah, ça m'a embarqué dans la grosse machine et maintenant, je peux plus m'en défaire. Merci Pascal. Passer d'ingénieur à performeur à Disney, j'ai divisé mon salaire par deux. Mais au final, moi, ça n'a pas changé mon mode de vie, en tout cas. Et vous gagnez combien ? Alors, je gagne à peu près, avec mon ancienneté, là, en ce moment, autour de 1400 euros net par mois. Les performeurs sont payés entre 1100 et 1500 euros net par mois pour 35 heures par semaine. Beaucoup ont décroché leur premier job chez Disney. J'arrive à la trentaine, il serait peut-être temps de trouver quelque chose de plus stable. Et puis bah, aussi, avec la condition physique, c'est quand même épuisant, le corps souffre aussi. Certains rôles sont physiques, d'autres non, mais tant que je peux, je continuerai jusqu'à très très longtemps. Si mon corps me le permet, que je ne suis pas cassé de tous les sens. Alors, mise en place, on y va s'il vous plaît, merci. Et pendant que les uns se préparent pour la parade, les autres se rendent sur les attractions où ils travaillent. Vous allez bien, Pirates des Caraïbes ? Oui, d'accord, c'est parfait. On ne le sait pas, mais Disneyland dispose de son propre boulevard périphérique autour du parc. Ici, les arrêts s'appellent Pirates, Pluto ou Simba. Ce que j'adore, c'est faire peur aux guests. Toi aussi, tu fais peur aux guests, Simon ? Quand j'ouvre la porte, je fais bonjour. Pourquoi vous aimez tous vous déguiser ? Pour moi, c'est vraiment retrouver une sensation que j'avais quand je venais ici, quand j'étais petit, de mettre un costume, de m'amuser. Quand on met un costume, on est quelqu'un d'autre. Parce qu'on monte dans le personnage et on peut jouer avec, faire tout ce qu'on veut, se lâcher. Depuis que je suis arrivé ici à Disney, j'ai été tout le temps à pirate. J'ai jamais changé d'attraction. 12 ans à pirate. Quelques secondes, Simon, devant le miroir placé à chaque entrée réservée aux artistes, devient l'hôte inquiétant et presque muet de la maison hantée. Bienvenidos. Chauffeur, l'arrêt pirate, s'il vous plaît. Merci. Dans les coulisses, Manuel le flibustier se met lui aussi en condition pour prendre son poste devant l'attraction des pirates. Mais avant tout, inspection obligatoire devant le miroir. Quand je vais arriver sur le parc, il faut que tout soit bien mis et tout, les vêtements, comme ça, les cast members, les employés peuvent se regarder et tout, s'assurer que tout est carré. Voilà. Carré, hein. C'est toujours carré. Il faut que ça soit carré. On est à Disney quand même. Hein. Il est très charmant ce pirate. Il fait pas peur hein, pour un pirate. C'était pas possible de jurer, cracher, boire, on est sur le parc. Non, c'est vraiment pas possible. C'est plutôt des attitudes à ne pas faire. Ne pas se montrer trop méchant, ne pas faire peur aux enfants. Bonjour, n'aie pas peur. Nice. Merci. Au revoir. Passez une bonne journée, mademoiselle. Merci. Ouais, à bientôt. Elles sont très très mignonnes, toutes les trois. À la part des choses et voilà, vraiment séparer le plaisir et le travail. À quelques mètres de là, à l'intérieur de ce hangar, se cachent les 40 gigantesques chars de la parade, tous bichonnés par une vingtaine de techniciens. Tout droit,
Ces monstres de technologie nécessitent des révisions quotidiennes. Pas évident quand on sait qu'ils pèsent 15 tonnes chacun. Tout à fait, on est totalement conscient de la charge impressionnante de ce char et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant par rapport au positionnement du char sur les plaques de fosse. Vu la charge excessive qu'on a sur les roues, il faut vérifier que la jante et le pneu supportent bien ces contraintes. Les automates qui ornent les chars sont eux aussi contrôlés minutieusement. Mais où sont donc cachés les conducteurs de ces engins qui semblent avancer seuls? Au niveau de la petite fenêtre, là, c'est noir de l'extérieur, mais de l'intérieur, on a quand même une visibilité. Voilà. Cette cabine est un endroit tenu secret que personne n'a pu encore filmer. Deux écrans de contrôle reliés à des caméras situées de chaque côté du char permettent au conducteur de se diriger. Mais il faut donner l'illusion que tout se fait par magie. Ok, Momo, tu mets les animations en route et puis les éclairages. Les chars fonctionnent à l'électricité et leurs batteries sont rechargées tous les soirs. Ceux de la parade nocturne consomment beaucoup plus d'énergie, mais ils ne sortent que les soirs d'été ou à Noël. Ça totalise environ 700 000 ampoules sur les 13 chars. C'est énorme. Entre-temps, Céline, qui est fin prête, va réviser les pas de danse qu'elle fera sur la parade. Et autant dire qu'il faut du souffle. Et vous allez devoir danser comme ça pendant une demi-heure de parade. Voilà, c'est ça, en boucle. Avec le sourire. Coucou les filles, je viens chercher mes gants. Oui, ça va, toi. Oui, et toi? Votre jolie perle. Je suis un peu en speed là. Vas-y, vas-y. On part sur la parade. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Pour s'approvisionner en costumes, gants, chapeaux et autres accessoires, les artistes disposent de la plus grande garde-robe d'Europe. Dans cet entrepôt, pas moins de 250 000 vêtements sont en stock. Alors, ici, vous avez tout ce qui est vêtements féminins. Civils, donc on a les chemises, les étoles, en mousseline, comme ça, en fausse fourrure, un peu de tout, de la plume. Après, on a tout ce qui est costume femme, des petites choses un peu comme celle-ci, les petites robes de princesse, voilà. Après, on a tout ce qui est pour les hommes, donc des chemises civiles, des cravates de toutes les couleurs, de toutes les formes, nos petits French cancans, nos petits carnavals. Cette petite robe, je la conserve, j'en ai besoin. Une demi-heure avant la parade, les sept chars sortent de leur hangar à vitesse réduite et avec d'infinies précautions. C'est des gros véhicules à déplacer dans un espace réduit quand même. Les personnages de la parade sont dans les starting blocks, derrière les portes qui séparent les coulisses du parc. Sans ces petits gants, ça tient chaud. Là, on y va tous ensemble, on monte ensemble. Et on va se préparer. C'est un moment sympa, où on discute avec notre collègue et voilà, on attend la parade avec impatience. Monsieur, madame Lacarte, vous arrivez à voir Monsieur Lacarte? Oui, bien sûr. Pour danser, c'est quand même mieux. Oui, c'est mieux pour danser, je vois par ici. Et à 12 minutes du début du spectacle, c'est toute une organisation qui se met en place. Parade centrale, paradin, on copie l'ouverture. Paradin centrale, bonne position pour tout le monde. Des techniciens sont en liaison permanente avec un régisseur général qui, de sa tour de contrôle, synchronise les musiques, les lumières, mais aussi la vitesse des chars et leurs espacements. Paradin centrale, on est à une minute. Bon, allez, à tout à l'heure, bonne parade. Merci. Bonne parade. Hello, everybody. Hello. Great to see
imbécile. J'ai le plus diabolique rêve, celui du pouvoir. C'était super, j'avais un très bon partenaire, on a bien dansé. Je suis essoufflée, je suis fatiguée. Parce qu'on a passé du temps à sautiller. Mais c'était tip top, c'était bien. On commence demain, peut-être dans un autre rôle, certainement d'ailleurs. Mais on recommence avec la même énergie. Et ce qui permet aux danseurs d'incarner des personnages, ce sont les costumes. Parmi les quelques 500 métiers présents sur le parc, l'atelier de couture est l'un des plus sollicités. Chaque saison, ce sont des centaines de vêtements qui y sont fabriqués. Je vais livrer la fée bleue. Petite main, couturier, modéliste ou encore chapelier, au total 51 personnes s'activent sans relâche. C'est un chapeau de pirate à la base. Je mets du laiton tout autour du chapeau pour qu'il garde sa forme. Combien de temps ça prend de réaliser un chapeau de pirate ? À peu près une quarantaine d'heures. C'est en fait c'est le chapeau pour Minnie. Voilà. Celui-ci, c'est le chapeau que va porter Daisy, bien sûr, qui est coordonné à la robe. Et voilà, ça c'est le Mickey. Que l'on voit un petit peu. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez vos chapeaux sur la parade ? De l'émotion parce que c'est un métier qu'on aime depuis notre enfance et on le réalise, donc vraiment beaucoup d'émotions. Beaucoup. Et de la fierté. Et s'il faut près de 40 heures pour confectionner un chapeau, les robes, elles, nécessitent un travail encore plus minutieux tout en raffinement. Ça va, Natacha ? Oui, ouais, ça se passe bien. Oui, on est où au niveau du strassé ? Tout a été positionné avec des épingles. Donc tu les poses tous à la main, là hein ? Oui, à la main. Ouais. Ouais, oui, c'est super. Parce qu'on ne doit pas traverser la doublure. Oui. Ah oui, le lamé. Ouais, voilà. Parce que ça fragilise en fait. Oui, oui. Ok. Ouais. Quel est l'enjeu pour vous de ce 20e anniversaire ? Un vrai challenge, parce que pour nous, ça fait un an en fait, qu'on travaille dessus. Pour nous, ces détails ont une importance majeure, puisqu'en fait, comme vous pouvez le voir, on se trace pour donner un maximum de lumière à un manteau au spectacle. On tend quand même plus vers un atelier haute couture parce qu'on travaille beaucoup de choses à la main et on fabrique en fait approximativement 5000 pièces dans l'année. Et bien sûr, celles dont les tenues ravissent petits et grands, ce sont les princesses. Dans l'atelier, c'est Luciana qui détient tous les secrets de leur robe. Je suis modéliste, mais je m'occupe surtout des princesses. Dans l'année, je sors à peu près 200 costumes. Et ce sont des robes assez compliquées, avec quand même du temps sur certaines robes. Vous voyez, pour une robe de Cendrillon, c'est quand même 120 heures. C'est 200 heures, plus de 200 heures. Vous
Mais en fait, c'est de la confection de luxe. Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez ce tissu, il arrive, il est tout blanc. Il est d'abord teint en fonction de la couleur. Ici ? Non, 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 dans des sociétés en France, des sociétés qui travaillent pour nous. Il revient et il repart en broderie. Les gens travaillent sur le motif. Donc le motif doit correspondre vraiment à un personnage. Il n'est pas dessiné au hasard. Donc à ce moment-là, on peut travailler dessus. Très peu de gens travaillent encore comme ça. Oui, finalement. En couture, on travaille encore comme ça, dans des cabarets. Garnier doit toujours travailler comme ça, Bastille aussi, je pense. Oui, oui, bien sûr, l'opéra. Et quand, pendant 20 ans, justement, on fabrique des robes de princesses, on finit par en rêver la nuit, en cauchemarder. Tout à fait. Pas en cauchemarder, c'est que j'en rêve la nuit, je dis, est-ce que j'ai fait ça? Ah non, tu ne l'as pas fait. Et ça me réveille. Et vous avez toujours voulu faire ce métier ? Ah oui, depuis l'âge de 6 ans. J'ai pourtant une maman qui me disait que c'était un métier de misère. Ah, il faut savoir qu'un métier de misère, puisque ma maman était italienne, veut dire que c'est un métier sans avenir. Et maintenant, elle dit le contraire, que c'est pas si mal, et que c'est même très bien. Et vous en vivez bien ? Ça va, on se débrouille. Et pour confectionner tous ces costumes, les couturiers ont accès à une pièce secrète et souterraine qui nous est dévoilée par Édouard, l'unique tailleur pour hommes de l'atelier. Un stock de plusieurs milliers de rouleaux de tissu datant pour certains du 19e siècle. Jersey, velours, taffetas, organdi ou encore fausse fourrure, une véritable caverne d'Ali Baba. Donc ici, c'est comme un cave à vin. Donc quand on a une température constante qu'il faut qu'il reste pour le tissu, parce que le tissu sinon il ne peut pas rester 15 ans, 20 ans sans moisir, ou bien humidité, tout ce qui va avec. Donc ici, c'est une pièce qui est chauffée d'une température idéale pour garder le tissu et toute la fraîcheur et toutes ses couleurs. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui! Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Mais ce qui rend Édouard très heureux, c'est de créer des costumes pour hommes, mais pas n'importe lesquels. Peter Pan, un prince charmant, le génie d'Aladin, un soldat vert, un pirate, ou encore un magicien. Ouais, vas-y, donne de l'ampleur au mouvement avec tes bras. Alors là, la cape ne bouge pas, ce serait bien de... Tu tournes un peu autour de moi et tu t'arrêtes et tu tournoies sur toi-même deux tours. Dans l'un des trois studios de danse du bâtiment, Emmanuel, le metteur en scène de la parade, règle des problèmes techniques pour le nouveau spectacle. J'essaye un peu plus vite. Et les rails dans Main Street, tu penses que ça n'a pas posé de problème ? Non ? Non. Ok. Mais il y a Édouard qui vient d'arriver. Édouard, j'aimerais bien qu'on voit quelque chose avec toi, s'il te plaît. Ok. Tu vois, quand ça tourne, vas-y, retourne, Philippe, pour voir. Bon, ça, c'est pas mal. Okay. Ça pourrait avoir encore plus d'ampleur. Et je pense qu'il faut faire quelque chose définitivement au niveau des manches. D'accord. Parce que, tu vois, les manches ne procurent absolument aucun mouvement. D'accord, on va essayer, tu peux faire qu'on élargir tout un peu. Oui, je pense qu'il faut des grandes manches, définitivement. Voilà, il faut que ce soit magique, il faut que ça vole. De retour à l'atelier, Édouard ajuste donc les manches sur un prototype et invente un système de boutonnage rapide. On a inventé un système aimant, ni boutonnière, ni fermeture. Hop, et comme ça, il se ferme tout seul. Voilà, donc là, c'est le premier maquette qui était fait. Chaque fois, c'est un nouveau défi. Quel est le costume le plus difficile que vous ayez eu à réaliser ? Les costumes les plus difficiles que j'ai réalisés, c'est quand on me donne des costumes de l'époque, comme dit, à faire. À l'époque de l'histoire de France, de Louis XIII, on te dit de faire une redingote de Louis XIII. C'est vous qui avez réalisé celui-ci ? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la prince Éric. C'est monté à la main. Et vous avez toujours voulu être tailleur ? Je suis au Sénégal, donc c'était mon oncle qui était le tailleur. Et c'est là que j'ai appris la couture artisanale. C'était mon rêve. Parce que j'ai rêvé toujours d'être, pas un mannequin, mais toujours d'être habillé. Et j'ai pensé, lorsque j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai pensé que quand je serais tailleur, je vais me changer 5 fois par jour. Rien que ça. C'est ce que j'ai rêvé, puis c'est ce que j'ai essayé de réaliser. Et vous l'avez fait. Oui, tout à fait.
Et ici, même les automates sont habillés sur mesure. L'attraction Small World est peuplée à elle seule de 280 poupées animées représentant les 5 continents. Chez les Pirates des Caraïbes, 72 robots télécommandés, appelés animatronics, racontent l'histoire de ces mauvais garçons et autres flibustiers du XVIIe siècle. Il va danser au bout d'une corde. Je ne parlerai pas. Il va parler. Carlos, non les escuches. À quelques pas de là, à l'abri des regards indiscrets, des hommes ont pour mission d'entretenir ces fameux robots. Des techniciens veillent au bon fonctionnement de ces machines complexes. Ok. Allez, nous saillons. Aujourd'hui, l'un de ces pirates est en pleine réhabilitation. En fait, notre travail consiste à, comme une révision de véhicule. Il y a un carnet de révision qui est établi. Par exemple, tous les 1000 heures, il doit revenir en atelier pour être révisé. Nous, c'est exactement pareil. On le démonte entièrement, on le refait, on change les pièces qu'il y a à changer. Il est composé d'un squelette mécanique, tout comme nous. Donc les formes sont respectées par rapport aux humains. C'est constitué de vérins hydrauliques qui agissent sur les mouvements et des capteurs qui nous permettent de contrôler tous les mouvements. Une technologie de pointe parfaitement maîtrisée. Nous avons jusqu'à 20 mouvements disponibles sur le robot. Alors, chaque robot ne comporte pas les 20 mouvements. C'est spécifique suivant le lieu où il se trouve. Les mouvements les plus spectaculaires qu'on a, qui sont présents sur le parc, c'est les duellistes, les deux personnes qui se battent à coups d'épée. Et en plus, c'est une synchronisation entre les deux personnages qui font des mouvements d'avant en arrière. Ça donne vraiment une impression de vraie bataille très, très réaliste. Durant 6 semaines, le robot subit une véritable cure de jouvence. Plus de 8 techniciens vont se succéder à son chevet, ce qui représente près de 250 heures de travail. Frank commence par le visage en latex entièrement remodelé en provenance des États-Unis. Coût de cette peau plus vraie que nature, 1000 euros. On refait une nouvelle peau pour ce pirate. Au bout d'un moment, ce matériau finit par devenir dur, presque cassant, raide. On va réparer, changer, si on estime qu'elles sont foutues, quoi. On va y rajouter, bien sûr, du fard, parce que bon, c'est comme au théâtre, il faut une bonne impression visuelle. Alors, je m'occupe de remettre la perruque et tout ce qui est les accessoires sous la tête pour qu'eux puissent après remonter sous l'automate et après le mettre dans l'attraction pour la suite. Je travaille à partir de dessins, tout est étudié à l'avance, voilà, pour qu'on puisse suivre bien le dessin de l'automate. Voilà. Pour donner une apparence encore plus vivante, ces spécialistes ont le souci du moindre détail, comme Jean-Christophe, qui s'occupe de la micromécanique. Là, je fais les réglages des paupières, j'ai changé les pièces. Et maintenant, je m'assure que le réglage soit nickel pour pouvoir ensuite le mettre dans la coque. Un système de battement de cils que l'on retrouve aussi sur les poupées de Small World. Jean-Christophe utilise des centaines de petites pièces comme pour le mécanisme de la mâchoire. Là encore, l'illusion doit être parfaite. Pour mettre les pièces au bon endroit et puis s'assurer que tout fonctionne. Mais très très patient, méticuleux patient. Un travail de minutie qui a un prix, entre 150 000 et 300 000 euros par robot selon sa complexité. Suis-je bien clair, Seigneur ? On va démonter la tête de façon à la ramener à l'atelier pour la réhabiliter, revoir les couleurs si elle ne sera pas passée avec le soleil. Le
J'ai pas besoin de le décaper entièrement, mais juste le poncer et repasser les couleurs d'origine. Et après, on revernit et après, on vient, au moment venu, on viendra le replacer dans le labyrinthe. Voilà. Pour Jacqueline, direction l'atelier de restauration, où peintres, doreurs et vernisseurs expriment tout leur savoir-faire. Oh, mon cheval est là. Claude, peintre depuis 20 ans au parc, restaure aujourd'hui un cheval de bois du carrousel usé par des millions de visiteurs. Il faut rétablir la surface et repeindre dans la même couleur, revernir, repatiner. Mais on va conserver les parties qui sont belles. Tous les parcs Disney travaillent sur documentation. On ne doit pas faire autre chose que du bois Disney, c'est logique. Donc voilà, c'est les couleurs là, du cheval que je suis en train de faire. Et ça correspond comme un jeu d'enfant. Chaque numéro correspond à une couleur et avec sa place sur le cheval. Ça va prendre combien de temps pour restaurer ce cheval ? Deux semaines, peut-être un petit peu plus. C'est un peu exceptionnel, c'est un niveau de qualité comme ça. C'est pas quand même comme travailler pour le Louvre, c'est un peu en dessous quoi. C'est aussi pointu. Oui, quand même, oui. Oui, parce que c'est très précis. Mais ce qui monopolise tout l'atelier à l'approche du 20e anniversaire, c'est la réfection des quelques 20 personnages du labyrinthe infernal d'Alice au Pays des Merveilles. Je vais faire la langue. En fait, à Disney, c'est beaucoup de reproductions. Il n'y a que les travaux neufs, on a des fois de la création. Vous ne pouvez pas innover. Non. Vous n'avez pas le droit de faire une langue bleue, par exemple. Ah non. Non, surtout pas. Là, j'aurai le contrôle qualité qui va me tomber dessus. Qu'est-ce que c'est, le contrôle qualité? Ce sont des gens qui supervisent que tout aille bien sur le parc, que tout soit respecté, au niveau des couleurs, au niveau des emplacements, de tout, quoi. Les valeureuses cartes soldats du labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles subissent elles aussi un lifting, et autant dire que les artisans y prennent un certain plaisir. C'est vrai que c'est une peinture qui est assez onctueuse, qui se passe assez facilement. C'est de la peinture à l'huile. Elle se tend tout de suite et on a tout de suite un résultat parfait, quoi. On est toujours à la recherche de la perfection. Il en faut de la bonne humeur à cette petite équipe de 10 personnes qui, entre les quelques 280 poupées, 70 pirates, 50 chevaux de bois et autres personnages, n'a pas moins d'un millier de sujets à remettre en état chaque année. Ah bon, j'ai toujours dessiné depuis que je suis gamin, hein. J'ai toujours fait de la sculpture. Mais je suis complètement autodidacte parce que je suis cuisinier de métier. Et j'ai fait mon armée, en rentrant de l'armée, je suis venu avec mon meilleur ami. On avait décidé de faire 45 jours d'essai, et puis ça va faire 17 ans que je suis là. Parce que je me suis rendu compte que les autodidactes avaient leur chance, contrairement à certaines entreprises françaises. C'est vrai que le côté américain, pour ça, à partir du moment qu'on fait ses preuves, même si on n'a pas fait d'études, ça passe. Non mais à force, vous ne vous sentez pas en dehors de la vie réelle? C'est pas faux. On est quand même ancré dans le monde du rêve. Ici, c'est un monde parallèle. C'est quand même une cage dorée ici. Hein. On se prend pas la tête, on est content, on vient au travail en sifflant, et puis après tout... Hein. Le reste, ben, on se débrouille autrement. Hein. Vous voulez parler de votre salaire ? Ben, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Donc c'est un choix. Pendant ce temps, dans le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles, les jardiniers refont à neuf les 2,5 km de méandre sous la houlette de Luc, le patron de l'horticulture. Fermez vos yeux. Voilà. Fermez les yeux. Faites comme les enfants. Voilà, exactement. Vous arrivez dans le labyrinthe. Hein, il y a 2500 tuyas qui ont été plantés et maintenant qui sont taillés. Et au total, vous avez combien d'espèces différentes ? Sur le parc, il y en a 450.
450. Oui. Alors, si je vous donne des chiffres, ça va vous faire donner le tournis. Il y a 35 000 arbres ici. Et il y a 6 000 km de tuyaux. Et on tend jusqu'à à peu près 35 millions de mètres carrés à l'année. Ouf. Et c'est clair que quand vous arrivez ici, moi, ce que je me rappelle, c'est effectivement Bill Evans et toute sa créativité. Bill Evans, il faut dire que c'était le jardinier de Walt Disney. Tout à fait. Que vous avez rencontré, tout à fait. Ça a été mon gourou. Qu'est-ce qu'il vous a appris, Bill Evans? Il nous a appris effectivement comment raconter une histoire avec toute cette végétation sur le parc. Tout à fait. Ah, le chat est magnifique. Et voilà. Et ça, c'est notre travail d'entretenir ça. C'est un travail permanent, alors. C'est un travail de tous les jours à 5 heures du matin. Venir tailler. Et ici, perdent 3 à 4 millions de visiteurs. Et on se perd vraiment? Et vous vous perdez vraiment, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle les Tolgi Tree. Oui. Alors, ça, c'est du béton projeté, hein, qui a été fait en racines, en tronc. Mais ça, on va en faire un arbre nuage. En fait, vous avez mis des tonnes de terre, c'est ça, à l'intérieur? Des tonnes de terre à l'intérieur. Et c'est l'accompagnement de la tête du chat. Et là, vous voyez les méandres. Hein. Je ne vois pas beaucoup de femmes. Il y a des femmes jardiniers ou sur les 150? J'ai 23%. 23%? 23% de femmes chez moi. Et je vais vous dire un secret. J'aime mieux les femmes jardinières que les hommes. Pourquoi? Elles sont constantes. Elles vont plus loin dans la distance. Ça, c'est entre moi et vous. Hein. Je vais vous montrer aussi un dessin, un plan. Ah, voilà. Le plan du site. Vous voyez? Donc là, vous avez la tête du chat, le corps du chat et effectivement tout le labyrinthe. Et ça fait 20 ans que ça vit. Et oui. Voilà. Et pour longtemps encore. Et pour longtemps encore. Je le repose là? Oui, tout à fait. Oui, merci. Mais à côté du monde miniature d'Alice, il y a encore plus petit et plus complexe à entretenir, le pays des contes de fées. Donc là, on découvre tout de suite, en arrivant, le paysage de Blanche-Neige. Blanche-Neige et les sept nains. Voilà, avec donc tous ces petits arbres. Enfin, c'est des arbustes, des conifères, qu'on taille de manière un petit peu à la bonsaï, on va dire. On leur apporte une fertilisation un petit peu particulière, parce qu'ils ont très peu d'espace au niveau racinaire, donc on fait un petit peu comme les bonsaïistes. Ah oui, ça demande une minutie absolument voilà, incroyable. Parce qu'on a on a quand même des petits personnages qui sont inclus dedans. Et là, on a le mont Chauve. Donc on retrouve toujours cette petite végétation taillée de très près, avec des végétations basses autour des petites maisons. Oh là là, c'est incroyable, là. Oui. Donc là, c'est tout en... La cité d'Oz, en fait, le magicien d'Oz. Donc effectivement, on a taillé les conifères en spirale pour représenter une magie justement dans la végétation. C'est compliqué, ça, j'imagine, non? Oui, ça demande beaucoup de temps. Oui, ça demande effectivement beaucoup de précision dans la taille. Combien de temps pour avoir un arbre comme ça? Plusieurs années. Plusieurs années? Ah oui, plusieurs années. Ouais. En avant, les amis, nous partons! Imaginaire. Dans le monde des tout-petits, on peut aussi voguer au milieu des scènes évoquant le dessin animé Peter Pan. Prends ça! Pour l'entretien du décor, tout l'atelier doit nécessairement venir sur place pour travailler. Petite singularité, les peintures sont fluorescentes. Dans la mine. Oui, c'est pas la mine, mais bon, il faut que Jennifer voit ses couleurs. Tu veux du noir, il y en a pas. On vient faire des retouches en lumière noire avec de la peinture acrylique. Et en fait, on vient retoucher tous les endroits où la peinture a sauté, où il y a eu des petits accidents lors des mises en route de l'attraction. À la
formation, en fait, c'est les anciens qui nous la donnent. On arrive ici sans avoir beaucoup, beaucoup de bagages. Et comme il y a des gens qui en ont énormément, on apprend très vite. Oh ! Mais j'ai oublié quelque chose. La poussière. La poussière. Yep ! Juste un peu de poussière d'atmosphère. C'est très, très minutieux ce que vous faites là, Jacqueline. Hein, c'est, là, il faut que je découpe des petits morceaux de feuilles pour... Feuilles d'or ? De feuilles d'or. C'est la feuille d'or à 24 carats, celle-ci. Ah ! Voilà. C'est une longue préparation ? Alors, la préparation, oui, c'est... Il faut quand même déjà bien préparer la fée clochette, qu'elle soit bien lisse. Ensuite, la peindre en jaune. Pourquoi jaune ? Parce que, comme ça, s'il y a des petits manques de feuilles d'or, eh ben, ça se voit un petit peu moins. C'est un travail difficile, la feuille d'or ? Bah, c'était la première fois qu'on en fait, on travaille un peu en apnée, parce que ça fait, c'est tellement fin, ça s'envole au moindre souffle de vent, ça s'envole. Donc, puis après, une fois qu'on a pris l'habitude... Au départ, on rate beaucoup ? Oh non, on ne rate pas, mais on gaspille un petit peu de feuilles, quoi. Alors ça, ça va aussi dans le château d'Alice au Pays des Merveilles ? La petite fée clochette, non. Les petites fées clochettes qu'on fait comme ça, c'est des trophées. Ou des cadeaux, des départs en retraite, des fois. Ah, c'est... Pour les collègues. Pour les collègues. Alors, il y a des grandes pièces, comme les pointes du château, qui sont toutes en fait en feuilles d'or. Et c'est le public cool. N'essaie jamais de monter sur les toits pour prendre les flèches en 24 carats. Ah non, les flèches, non, c'est trop gros. Par contre, les petites fées clochettes dans les hôtels, oui, je les ont fait voler. Et puis, les gens repartaient avec une fée clochette. Devient très très lisse et brillant. Voilà. Je vais vous faire voir les travaux de feuilles d'or que nous avons fait sur le parc. Alors, vous avez déjà toutes les flèches du château qui ont été refaites en feuilles d'or par notre atelier. Et puis, je vais vous montrer aussi sur Small World. Small World, il y a une dizaine d'années, on a refait toutes les toitures de Small World en feuilles d'or. Ça a été fait dans nos ateliers. Alors, on a utilisé 430 carnets de feuilles d'or 24 carats. Oh là là, c'est énorme. Et ça fait donc 10 ans, 11 ans que ça a été retouché. Mais ce sont refait entièrement. Ce sont des feuilles d'or qui sont plus grandes que celles... Non, c'est des feuilles d'or, les mêmes feuilles d'or que j'ai utilisées pour la fée clochette. Ça a été un travail qui s'est échelonné sur 3 mois, sachant qu'on n'était pas à temps plein là-dessus. À combien de personnes ? On était 3 personnes. Quand le soleil tape, c'est vraiment très, très joli. Vous en êtes encore émerveillée, c'est ça ? Oui, c'est... De la féerie aux attractions qui bousculent, comme le train de la mine, il n'y a qu'un pas. Pour embarquer dans Space Mountain, il faut avoir le cœur bien accroché. Les passagers ont l'impression d'être propulsés dans l'espace à très grande vitesse, dans une navette qui tente d'éviter les météores. C'est indescriptible, je crois. Indescriptible. On en vient, mais je peux vous dire que je recommencerai pas. Dès la fermeture du parc, l'équipe de maintenance entre en piste. Toute la nuit, entre 21h et 6h du matin, l'attraction sera minutieusement inspectée. Pour la première fois, des caméras sont autorisées à pénétrer au cœur de la machine. Pour Vincent et son équipe, tout commence par ce long tunnel doté de 185 marches, le canon de Space Mountain. Alors nous nous trouvons dans la catapulte. C'est l'endroit où le train va être catapulté. Il va se retrouver donc à l'intérieur de ce qu'on appelle la montagne donc, et il va suivre son circuit tout simplement pour arriver en gare. La particularité de l'attraction, c'est le système de catapultage. Le train est propulsé à 75 km/h en à peine 2 secondes. C'est la même technique de lancement que sur les porte-avions de l'armée. Alors là, ce qu'on va faire dans le canon, c'est contrôler le véhicule qui se trouve là sur le rail, qui permet au train, aux 6 wagons, d'être catapultés. L'équipe de Vincent est rejointe par Mario, le responsable de la maintenance. Il gère la sécurité. Il n'a pas droit à l'erreur, car le traumatisme des 2 accidents du petit train de la mine en 2011 est encore très présent. Lorsqu'on est responsable de la maintenance, lorsqu'on entend parler d'un accident,
forcément, on se pose toujours la question. Ça nous permet de nous maintenir en éveil, d'être toujours vigilants sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux en termes de maintenance, qu'est-ce qu'on pourrait contrôler de plus. C'est vraiment vérifier qu'il n'y a aucun défaut. Au même moment, dans les ateliers, une autre équipe de nuit vérifie l'état des trains. Elle traque les petits défauts sur les systèmes de roulement. Tous les soirs à la fermeture, quoi, n'importe quel tour qu'il aille faire le train, systématiquement, ils sont obligés d'être vérifiés. Autre élément systématiquement contrôlé, les harnais de sécurité. Vérifie les poignées de fixation, s'il n'y a aucun jeu. S'il manque une dent, systématiquement, vous l'entendez à force de descendre, et qui bloque correctement. Tout est remonté à neuf mensuellement tous les mois, chaque fois. Et le plus spectaculaire est certainement l'enchevêtrement de ferrailles futuristes qui rappellent les films de science-fiction. Là, on est dans l'antre de la bête. C'est le lieu où se trouvent toutes les zones de freinage. Lieu public plus jamais le voir, vu que c'est à l'intérieur de la montagne, comme on dit. Ici, on est dans le cœur de Space Mountain. On va faire un essai. Et le ventre de la machine s'étale sur 1 km de rail que Vincent et son équipe ont pour mission de vérifier, en particulier le système de freinage. Toute la journée, ça a tourné, les trains sont passés multiples fois et le frein a travaillé de façon en continu toute la journée. Tous les soirs, on vérifie l'état des cassettes, l'usure, la visserie et puis l'état en général, c'est-à-dire on se met en dessous, au-dessus, sur les côtés, on contrôle tout. Alors que l'équipe de Vincent poursuit son inspection à 43 mètres de haut, à la sortie du canon, les pompiers, eux, sont à l'entraînement. Car il existe ici, chose surprenante, une caserne de 150 pompiers entièrement dédiée au parc. Ils sont en alerte 24 heures sur 24. Même sécurisés au maximum, les attractions peuvent tomber en panne et laisser les visiteurs bloquer la tête en bas à des dizaines de mètres au-dessus du sol. Cette brigade d'intervention est toujours prête à secourir d'éventuels blessés dans des conditions extrêmes. Bon, l'exercice de la journée. On va travailler sur l'attraction Rock'n'Roll Coaster. Toiture, plus de 40 mètres de haut. On simule un malaise. Donc l'objectif, c'est de la descendre par voie. C'est parti. On vérifie que tous les mousquetons sont fermés. Mon groupe est vraiment là pour sécuriser dans un premier temps tout ce qui touche les attractions. Ils sont tous formés, diplômés, entraînés au quotidien. À partir du moment où on a des techniques de sauvetage en hauteur, effectivement, c'est ce genre de groupe qui interviennent. Et parmi tous ces hommes, il y a 6 femmes. Delphine travaille dans cette caserne depuis 16 ans. Il n'y a pas beaucoup de filles, donc je voulais me surpasser par rapport à ça et montrer que nous, les filles, dans ce groupe d'intervention, on est capable de faire aussi pas mal de choses. Pour ce groupe, c'est l'heure de l'entraînement sur la toiture de l'une de ces attractions choc. Alors là où on redoute le plus, c'est Armymen, les parachutes en fait, parce qu'on est vraiment en plein vide et il y a 30 mètres de hauteur. Mais c'est vrai qu'on s'entraîne régulièrement sur cette attraction au cas où elle tombera en panne. Perchée à 42 mètres au-dessus du sol, l'équipe se prépare à descendre en rappel le long de la paroi. Allez, une fois que ce sera parti, on se donne 20 minutes. La victime a touché le sol. Donc vous vous attachez serré, avec un nœud largable. Quand vous êtes dans des situations comme celle-ci, vous pensez à quoi ? Je pense avant tout à mes enfants. Que je tiens beaucoup à eux et après je pense à ma sécurité. Avec 15 millions de visiteurs par an, les pompiers de cette caserne interviennent en moyenne plus de 16 000 fois chaque année. L'hiver, c'est sûr qu'on va faire beaucoup plus de chutes et glissades. L'été, bah, c'est du malaise, surtout avec la chaleur, les gens qui attendent dans les attractions, les files d'attente. Et tous les soirs, une autre équipe s'entraîne, elle aussi, en conditions réelles, dès la fermeture du parc. En cas d'intervention, ils ont des consignes strictes.
notamment l'interdiction absolue de courir pour ne pas provoquer de panique. On essaie d'intervenir le plus discrètement possible. C'est vrai que sur le parc, c'est un peu compliqué parce que quand il y a plein de visiteurs, il y a beaucoup de gens qui vont regarder. Donc rapidement, on va essayer de faire un périmètre de sécurité avec les employés qui travaillent autour. Et si vraiment le cas est grave et qu'on demande l'intervention du médecin, là, on va faire venir ce qu'on a une tente, la tente anti-intrusion, pour cacher au maximum l'intervention. Quoi. Non, ce n'est pas Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, mais son double qui se fait prendre en photo devant la réplique du galion en pleine réfection. Et le chef de chantier, petit entrepreneur établi dans la région, n'est autre que le père de la chanteuse Vanessa Paradis. Ici, on se trouve dans la cabine à l'intérieur du bateau, le ventre du bateau. On a refait toutes les structures pourries parce que le bois était un peu pourri. La restauration de ce vaisseau consiste à remplacer le bois par de la résine. Et la résine, c'est la spécialité d'André Paradis. On a donc mis au point une résine qui est souple. Ça a été moulé sur un véritable morceau de chêne sablé. Quand ça va être patiné, ça va ressembler totalement à un morceau de bois. Grâce à cette invention, toute la coque va être recouverte de résine, effet bois, qui résistera aux intempéries et à l'usure du temps. J'ai une formation de restauratrice des peintures murales. La dernière restauration que j'ai faite, c'était à Chartres. Les voûtes, les clés de voûte tout en haut étaient restaurées il y a 5 ans. Voilà, donc toutes les polychromies des clés de voûte. Et maintenant, je suis à Disney. Voilà. Alors évidemment, ce chantier n'est pas comparable aux peintures murales de la cathédrale de Chartres, mais force est de constater que le travail est d'une grande précision, même si le galion n'est pas fait pour être vu de près. Si, parce que justement, tous les fans de Disney, tout le public qui vient à Disney, ils ont des appareils photo avec des zooms, et ils aiment bien voir les choses de près, ils aiment bien les détails. La belle ouvrage, c'est aussi la préoccupation d'Éric pour les vitraux. Entré chez Disney il y a 12 ans comme ébéniste menuisier, il est devenu artisan verrier, un métier en voie de disparition. Qu'est-ce qu'ils ont ces vitraux ? Je fais une inspection, je tourne régulièrement autour des vitraux pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de casse. Parce qu'en fait, c'est quand même des pièces qui sont très fragiles. Donc je viens les inspecter régulièrement et je regarde s'il n'y a pas de fissures, s'il n'y a pas de... C'est le temple des vitraux. Là, oui, ici, ouais. C'est les vitraux, c'est fabuleux. C'est ici, dans le château de la Belle au Bois Dormant, qu'il y a le plus de vitraux. Les plus beaux vitraux sont ici, effectivement, sont dans cette partie du château. Et en plus, ce que vous avez ici, c'est réalisé comme au XIIe siècle. Comme à l'époque, au Moyen-Âge, ce qui est surprenant. Ça vient vous raconter une histoire. Tout comme au XIIe siècle, on vous racontait une histoire en fait, au travers des saints et des saintes. Aujourd'hui, c'est fait exactement de la même façon. C'est la même technique. La technique n'a pas changé. Ce qui va changer, c'est qu'à l'époque, le maître verrier travaillait dans la cathédrale. Bon, nous, aujourd'hui, on travaille dans nos ateliers, bien entendu. Bon, sinon, techniquement, rien n'a changé. C'est pareil. Ça prend combien de temps pour faire, par exemple, une fenêtre comme celle-ci ? Alors, pour travailler un vitrail comme ça, là, vous avez plusieurs mois de travail dessus. C'est pas forcément en soi la grandeur, c'est le nombre de pièces qui sont imbriquées. Plus vous avez des pièces serties et compliquées, plus vous vous rapprochez de la joaillerie, plus c'est complexe. On est dans l'orfèvrerie quelque part. Hein. Orfèvrerie, joaillerie, vitrail, c'est la même chose. Hein. Et plusieurs centaines de mètres carrés de vitraux, en fait, sur le parc, on ne s'en rend pas compte.
Ce sont plein de points de vue que les gens ne voient pas, mais qu'il faut découvrir au fil des visites. Par exemple, ici, vous voyez, au-dessus du château, les gens ne font pas attention. Mais là, vous allez voir, vous avez deux colombes, et les deux colombes vont disparaître pour laisser place à un bouton de rose, en fait. Ah, c'est magnifique, c'est joli. Et donc, vous voyez, là, c'est en train de se transformer. Ah, c'est superbe. Ça, ce sont plein de petites choses que, lorsqu'on est dans le parc, on ne voit pas forcément. Et quand vous promenez, là, sur Main Street, en fait, vous avez la Statue de la Liberté aussi, qui est en vitrail. Symbole de l'histoire américaine, celui de la conquête de l'Ouest et de la bataille entre cow-boys et indiens. Et tant pis pour l'anachronisme, tous les soirs, Mickey et ses amis s'invitent dans ce dîner-spectacle. Et pour donner encore plus de réalisme à cette évocation du Far West, les responsables du show se donnent les moyens d'un recrutement bien spécifique et surprenant. La partie la plus importante de notre sélection, c'est quand on part une à deux fois par an aux États-Unis. Et là, on va soit dans des réserves de Native American Indians pour choisir nos Indiens. Mais pourquoi vous allez dans des réserves ? On est très attaché à garder l'authenticité de ce spectacle. On s'assure qu'ils savent vraiment très bien monter à cheval, qu'ils aient quand même, je dirais, une image d'Indien et qu'ils aient quand même une attitude et un comportement qui fait qu'ils vont respecter leur culture. Et ils sont là, en fin de compte, comme ambassadeurs de leur culture. Et oui, ce sont de véritables Indiens, comme Tim Junior, venant tout droit d'une vieille tribu du Montana, celle des Blackfeet, en français les Pieds Noirs. Pour lui, être ici est une véritable histoire de famille. Ça a commencé où mon père il travaillait ici avant, et moi je le regardais tous les jours faire Sitting Bull. Et je veux être comme lui. Et on est retourné en Amérique, et j'ai dit bon, je vais plus jamais remettre les pieds en France. Mais ils sont venus faire des auditions dans ma réserve. Et ils en ont gardé que trois. Et c'est ainsi que Tim Junior est revenu vivre en France depuis 7 ans, loin des siens. Et le Montana ne vous manque pas trop ? Si, si, toute ma famille, mon fils, j'ai un fils qui est là-bas, qui m'attend. Et ça me manque beaucoup, mais après, j'ai fait un choix, donc il faut assumer. J'imagine que dans la réserve où vivent vos parents, il n'y a pas beaucoup de travail. La plupart du temps, c'est dur et c'est un peu la crise depuis un moment chez nous. Et même pas en crise, déjà d'être dans la réserve, c'est un peu dur. Et tous les soirs, les Indiens cascadeurs défient aussi des bisons de plus d'une tonne. Prise de risque maximale face à des animaux sauvages. Ça reste ouais, très dangereux, mais on nous donne ce qu'il faut, on nous entraîne justement pour gérer dans l'arène. Pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire la chasse, il faut avoir un petit peu de peur aussi. L'adrénaline, faire monter l'adrénaline. Ouais. Il faut courir très vite et aussi pas trop les approcher, sinon ils peuvent se retourner vite fait et là t'es mal. Et surprise, parmi tous ces Indiens déracinés qui assurent le show, on croise aussi un Français, Cédric. En fait, je suis pas né Indien dans mon sang, je suis né Indien dans mon cœur. Et c'est vrai que j'ai grandi là-dedans, appris beaucoup de choses sur la culture amérindienne. Et mon objectif de vie, c'est vraiment les Indiens, et les chevaux et le spectacle. C'est mon petit frère, lui, c'est un Indien, c'est plus un Français maintenant. Pour moi, c'est comme mon frère de réserve. Il assume de ce qu'il fait, il croit en notre culture et il aime bien. À tel point que Cédric a été symboliquement adopté par une tribu indienne, celle des Corbeaux du Montana. Dans cette troupe essentiellement composée d'hommes, il y a quand même Leslie, qui interprète Annie Oakley, cette célèbre cowgirl du 19e siècle.
était une femme formidable, très forte. À l'époque, les femmes restaient plutôt à la maison avec les enfants, etc. Et Annie, c'était une des rares femmes qui était vraiment publique, sur scène. Et elle montait à cheval presque mieux que les hommes, il ne faut pas le dire. Hein. Et elle tirait des armes mieux que les hommes. C'était incroyable ce qu'elle faisait. Compagne du célèbre dresseur de chevaux Mario Luracci, Leslie est cascadeuse professionnelle. Elle a notamment doublé Anne Parillo dans Nikita et Juliette Binoche dans Le Hussard sur le toit. Elle a intégré le spectacle de Buffalo Bill dès l'ouverture du parc. Voilà, je vous présente. Allez, tourne-toi. Sois pas timide. Alors ça, c'est Auguste, c'est Didier. Donc c'est lui qui présente le spectacle. Bienvenue au Buffalo Bill's Wild West. Et tout d'abord, permettez-moi de me présenter Auguste Durand-Ruel, le véritable bardin mais béni des impresarios français. Et moi, je monte le même âne depuis 20 ans. Il lui aussi, c'est la star du show. Il a fait des chutes aussi avec son âne. Hold on, now that's your horse, yes. Vous vous rendez compte, un comédien qui jouerait pendant 20 ans le même rôle? Ah oui, à 12 500 représentations. Ah, je croyais que vous alliez me dire à 12 500 euros par mois. Ah bah non, j'aimerais bien. Ça, oui, là, ça vaut le coup, non, non. Non, mais on le fait pas pour l'argent, que pour l'argent, évidemment. Quand même. C'est votre métier. Bien sûr. C'est mon métier, mais justement, en tant qu'un comédien, c'est tellement rare de pouvoir gagner sa vie régulièrement. Qu'on ne peut pas cracher dans la soupe. Ici, on est devant le tableau de la planification de la journée. De ce côté-là, vous avez les humains qui ont leur esprit, leur caractère, et de l'autre côté, on essaye d'avoir les chevaux qui leur convient le mieux. Voilà. Thierry est l'un des deux dresseurs professionnels qui apprend aux chevaux à vaincre leur peur. Il a été lui-même cascadeur et voltigeur sur ce spectacle pendant des années. Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté? C'est l'âge? C'est l'envie de faire autre chose? J'ai eu un accident. J'ai eu un accident au niveau du genou. Donc on m'a demandé si c'était possible que j'entraîne les chevaux. Et à l'époque, j'ai fait oui, ok, ouais, j'ai entraîné les chevaux. À un moment donné, il faut savoir être jeune dans sa tête, c'est-à-dire laisser les plus jeunes à faire ce qu'il y a de plus risqué. Alors là, je fais la préparation à un jeu qui s'appelle le jeu du drapeau. Et justement, on a cette jolie bannière qui fait peur à beaucoup de chevaux en général, qui est un corps étranger. On ne trouve pas ça dans un pré ni dans un champ étalé au milieu du champ. Donc c'est quand même l'élément indispensable pour le spectacle. Quand ils arrivent ici, tout est nouveau. Hein. C'est notre boulot tous les jours, essayer d'imprégner les chevaux et de les accompagner dans ce qui va se passer par la suite. Love is a burning thing. And it makes a fire. Derrière les rideaux, ce ne sont pas moins de 60 personnes qui s'activent tous les jours pour le bon déroulement du show. Celui qui gère les lieux, c'est Jean-Louis. Depuis 20 ans, il est le directeur des écuries. Il a pour mission de choisir les chevaux en fonction des besoins du spectacle. Dans l'écurie, ici, il y a un peu plus de 50 chevaux. Et donc, pour faire un spectacle, il faut donc une petite trentaine de chevaux. Et il y a systématiquement 20 chevaux qui ne travaillent pas dans le spectacle et qui permettent de faire des rotations dans les plannings. C'est un Appaloosa, cheval qui vient des États-Unis. Et combien coûte un cheval comme celui-ci? 10 000 euros à peu près. Hein. Dans tous les films westerns, les chevaux d'Indiens étaient de cette robe-là. En coulisses, tous les corps de métier du monde équestre sont présents, comme par exemple le maréchal Ferrand. C'est le travail de Benoît qui s'occupe de ses chevaux depuis les premières représentations de 1992. Bon, donc ça c'est Country, hein? Oui. Elle est bonne à ferrure, mais elle est pas à cheval, elle a pas trop longtemps. Elle a un mois de ferrure, Jean-Louis, mais elle est bonne à faire. Ouais. Ok ouais. Voilà. Y a rien de spécial? Non. Tu l'accroches comme tu veux? Oui, oui. Entendu. Non, non, ça va là. Ça va? Ça va bien tenu. Est-ce qu'elle tourne dans le show ce soir? Oui, elle travaille ce soir. Elle travaille ce soir. Ok.
Notre travail, c'est le pied du cheval, tout ce qui concerne le pied. Donc la ferrure et les soins éventuels qu'on peut apporter au pied du cheval, voilà. Vous savez, c'est un métier comme les autres, hein, qui n'est pas facile à apprendre. Il faut être patient avec les chevaux, je crois qu'il faut aimer surtout les chevaux. Puis avoir une bonne santé quand même, parce que c'est quand même pas un métier facile. Artisan indépendant, il vient 3 fois par semaine au parc. Disney est un gros client, mais bon, c'est pas un client facile, parce que c'est quand même une grosse boutique. Et il faut être là, hein. C'est-à-dire que le show, c'est 7 jours sur 7 toute l'année. Donc, il n'est pas question de dire, je m'en vais en vacances et je laisse les chevaux tomber. Donc là, on va le faire marcher, voir si tout va bien, et puis il va être rentré au box. Mais les chevaux ne sont pas les seuls animaux à peupler le parc. Toute une faune a aussi élu domicile sur ces terres briardes. On a des grosses populations de lapins. Pour limiter leur nombre, on les capture à l'aide de cages. On a un partenariat avec une association de protection à la nature qui nous prend les lapins pour repeupler des endroits où le lapin a complètement disparu. Et pour tondre la pelouse, on a même fait appel à des moutons rassemblés à la périphérie du parc. Une image qui rappelle des souvenirs. Car ici, il y a 20 ans, les attractions ont été construites au beau milieu des champs de blé et de betteraves. Au départ, tout commence mal lorsqu'en 1992, le groupe Disney s'implante en Seine-et-Marne. Les agriculteurs, expropriés par l'État, protestent contre l'arrivée du géant américain. Les propriétaires sont des agriculteurs, c'est leur outil de travail. On ne leur a pas demandé s'ils voulaient vendre, on les oblige à partir. Et les commentaires des journalistes de l'époque sont acerbes. Mickey n'est pas ici une souris, mais un ogre dévoreur de terre. La contestation gagne même Paris lorsque les jeunesses communistes jettent des œufs pourris sur le PDG de Disney sur la place de la Bourse. Au départ, même les maires des communes concernées sont plutôt hostiles au projet. Parmi eux, Jean-Paul Balcou, maire de Magny-le-Hondre. Notre réaction, dans un premier temps, c'était une réaction de protection. On a pensé à mettre des fils de fer barbelés autour des villages, à mettre des tuyas, comme le village d'Astérix en Bretagne. Mickey Gorome. Oui, Mickey Gorome, bien sûr, on avait des tas de pancartes qui surgissaient. Et c'est un petit peu normal, quand vous enlevez leur outil de travail à des gens qui étaient là depuis des dizaines, des centaines d'années, effectivement, ça fait un choc. Vous voulez que je vous dise combien est-ce qu'on veut ? Ben, on veut le maximum. Et l'État les indemnisera en effet à hauteur de 4 fois le prix de vente des terrains pour mettre fin au conflit. Très vite, on s'est ressaisi. Alors au départ, vous avez vu la possibilité de création d'emplois, c'est ça ? Ben, on a vu le développement du secteur. Alors comment se sont comportés au départ ceux qui représentaient Disney ? Les relations ? Alors au tout début, je me souviens, on avait été invité pour nous amadouer un petit peu. On avait été invité aux États-Unis, à Orlando. Et là, les Américains qui n'avaient pas du tout conscience des règles françaises nous ont présenté, par exemple, leur signalétique sur les autoroutes. Et au-dessus, vous aviez une figurine de Mickey qui devait faire 2 mètres de haut. Vous n'aviez pas envie d'un joli Mickey au-dessus de Manny ? Non, autant j'adore Mickey, autant j'adorais Mickey quand j'étais jeune, je l'adore toujours, mais je crois que chacun doit rester à sa place. Ils ont compris ? Au départ, ça a été un petit peu dur, parce que tout le staff qui est arrivé était un staff américain. Et ce staff a commencé par me dire, vous allez voir, vous, les petits franchises, vous allez voir ce que nous, Américains, on sait faire. Ben, je dois dire qu'au départ, ils se sont un peu plantés. Sur la région et dans votre village, combien de personnes travaillent ici ? On a à peu près quelques 1000 employés Disney qui vivent sur Magny. Alors, d'ailleurs, une petite anecdote à ce niveau-là, c'est qu'au tout départ, en 92, Magny, petit village briard,
On n'avait qu'un seul bistrot à l'époque et on a vu débarquer un jour des Indiens. Ah oui. Mais de véritables Indiens. Et c'était les Indiens qui jouaient au Walway Show et qui faisaient la réserve et qui habitaient d'ailleurs à côté de chez moi, à Magny-le-Rond. Et ces Indiens avaient la particularité d'être, après le travail, disons, pour la détente, un peu imbibés d'eau de feu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était très marrant de voir ces Indiens se balader dans Magny, c'était l'attraction. Aujourd'hui, les champs de blé et de betteraves de l'époque ont été remplacés par des rues pavées très commerçantes. Ici, les produits dérivés et autres souvenirs sont une véritable manne pour l'entreprise. L'unique avenue qui mène aux attractions, la fameuse Main Street, est une concentration de points de vente. Tout a été parfaitement pensé pour inciter à la dépense. C'est un passage un peu obligé. En fait, on a l'ensemble de nos visiteurs qui traversent dès le matin cette rue. Et ce soir, ils vont venir pour acheter des cadeaux pour leur famille ou un petit souvenir pour eux-mêmes. Sur l'ensemble des 57 boutiques du parc, ce ne sont pas moins de 7200 produits qui sont référencés, des objets conçus pour tenter en particulier les enfants. Sur l'année, nous vendons 1,2 million de peluches. Ça fait partie des produits qui sont le plus vendus en quantité. Mais l'article qui se vend le plus, c'est le porte-clés. On débarre à 4 euros et on peut aller jusqu'à du 6 euros sur du porte-clés. Et vous en vendez combien par an ? 1,7 million de porte-clés sur l'année. Soit, selon nos calculs, environ 8,5 millions d'euros de recettes uniquement pour les porte-clés. Le serre-tête mini, on en vend pas moins de 300 000 par an. Ce qui représente près de 3,9 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ces serre-têtes. Et en moyenne, quel est le prix de ces robes ? Alors là, nous sommes sur une soixantaine d'euros. Bah, c'est pas donné. Non, c'est pas donné. Donc voilà, donc on regarde et puis on regarde et puis on regarde. Bah, c'est pas très bon marché, mais bon, en même temps, ça fait partie de Disney, donc voilà, on y met un peu plus cher. Je pourrais vous dire qu'en moyenne, un visiteur va acheter 2-3 produits dans ma boutique. Le chiffre d'affaires de la boutique ? C'est des chiffres dont je ne parle pas, en fait. Visiblement, parler d'argent dans cet univers de rêve est un sujet tabou. Heureusement, les visiteurs sont plus loquaces. Pour deux personnes, donc deux jours avec une nuit, ça coûte 288 euros donc les deux jours pour les deux personnes et la nuit à l'hôtel, sans compter après les cadeaux, le restaurant, tous les à côté, l'essence pour venir. Voilà, donc, donc 300 euros déjà rien que pour le séjour. Après, il faut compter les restaurants ici, c'est pas moins de 30 euros par personne, quoi. Donc, c'est un investissement. Je pense que c'est pas sur un claquement de doigts qu'il faut prévoir un voyage comme ça. Au beau milieu des boutiques, au détour d'une rue, on découvre une échoppe surprenante et unique. Bonjour. 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 Je peux vous saluer ? Je vais tout vous faire rater. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est rare un barbier quand même aujourd'hui. C'est un métier qui existe encore ? Ça existe encore, oui. C'est rare de le trouver, mais ça existe encore. Il y en a combien qui exercent ce métier aujourd'hui en France ? En France, il n'y en a plus beaucoup. Je dirais on a une dizaine en compte la France. Et vous faites toujours raser comme ça la barbe par un barbier ? Pas de rasoir électrique ? Ben c'est la première expérience pour moi de rasage à l'ancienne. Je me rase toujours devant mon miroir avec un rasoir classique. Et j'ai profité de notre voyage à Disney pour essayer. Mais dites-moi, comment se fait-il qu'il y ait un barbier ici ? Disons que Walt Disney, quand il a créé le parc Disneyland, il a voulu rendre hommage à son papa qui était barbier sur la rue de Main Street. Et du coup, il a créé Barbershop ici à Disney. Et donc, dans tous les parcs Disney, il y a un barbier, oui. En hommage au père de Walt Disney, oui.
Alors, c'est magnifique quand même. Ah oui, c'est un bon cadre. Tout est d'origine. Oui. C'est un vrai salon de barbier. Ce n'est pas un décor. Non, c'est un vrai salon, oui. À l'ancienne des barbiers, le vrai salon qu'on avait avant, à l'époque. Mais qui vient d'où? Qui vient des États-Unis, Chicago exactement, racheté à un vieux monsieur qui partait à la retraite. Ouais, c'est magnifique. Comme il fermait son salon, à l'époque Disney il était en train d'ouvrir il y a 20 ans le parc ici. Ils ont tout racheté le salon à ce monsieur. Très beau, les serviettes, les tasses, ça sert à quoi les tasses? Les tasses, en fait, à l'époque, chaque client il avait sa tasse personnelle chez Barbier. C'est pour ça qu'on a les noms marqués sur chaque tasse. Les gens qui allaient chez Barbier avaient leur tasse personnelle pour prendre un café, un thé. Et ça. C'était l'ancien vaporisateur de parfum qu'on met à la fin avec l'eau de Cologne et tout ça. Remplacé par les bouteilles aujourd'hui. Voilà. C'est agréable? C'est très agréable. Vous n'avez pas peur? Un peu. Quand la lame va arriver. Un peu. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu dans le fond. Dites-moi, vous êtes jeune pour exercer ce métier qui est en voie de disparition totalement? J'ai commencé très jeune. C'est un métier qui m'a intéressé dès plus petit. Puis finalement, j'ai appris en Italie. À l'âge de 15 ans, j'ai fait mon premier rasage. Comme ta porta piquita va bene. Si tu la parla miezza americano. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Alors, on ferme les portes pour l'accès des clients sur le parc. D'accord. Voilà, pour pas qu'ils aient vu sur les backstage. À la fermeture du parc, Main Street est quasiment déserte. Mais pour quelques salariés, c'est le début d'une longue nuit de travail. Les techniciens et les artistes s'approprient le parc pour répéter la prochaine parade avec deux nouveaux chars, des costumes tout neufs créés dans les ateliers pour les fées, les magiciens et les personnages. Mais ce qui les occupe le plus, c'est la mise en place du nouveau spectacle projeté sur la façade du château. Projection vidéo en 3D, laser, fontaine d'eau, pyrotechnie et feux d'artifice. Un spectacle dont Ben est le chef de projet. C'est quand même quelque chose qui va jouer tous les jours et il faut que ça soit parfait tout le temps. Donc on travaille, c'est des centaines de personnes. On travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. Depuis mi-août, quand on a commencé à faire les investigations souterrains pour toute la partie fibre optique, câblage, contrôle-commande pour l'ensemble du spectacle. Le lendemain, à l'aube, quand les visiteurs dorment encore profondément, c'est au tour de Dominique de commencer sa journée. Dès 5 heures du matin et par tous les temps, ce technicien de maintenance arpente les allées sombres et désertes pour vérifier pas moins d'un millier d'éclairages et lampadaires en tout genre. La nuit, c'est une autre vision. C'est plus calme, donc il faut que je regarde en même temps, hein, parce que j'ai pas mal de lumière à voir. Donc là, les sangles en cuir qui sont défaites. Donc je note tout, et quand je rentre à l'atelier, je vais faire part de mes observations à mes collègues d'un autre service qui vont venir pour s'occuper du démontage. Et la magie... quand on arrive, au bout de 12 ans, je trouve que la magie, moi, elle est un petit peu... Je suis là pour faire mon travail. Hein.
La magie, elle a un peu disparu, quoi. Sadek, lui, est jardinier. Il travaille à l'horticulture depuis plus de 20 ans. Mais sa passion, ce sont les taupières, des arbustes qu'il façonne avec amour. Ça remonte à 20 ans quand j'ai commencé. J'ai commencé à travailler sur les taupières. Et je considère que les taupières font partie aussi de la magie que Disney veut faire voir aux visiteurs. Ben, on peut définir une taupière par le vocabulaire latin. Topia, c'est du jardinage d'ornement. Donc à partir d'un végétal vivant. Dans notre cas ici, c'est du buis. En se basant sur une structure métallique qui nous permet d'avoir le corps ou le personnage qu'on veut avoir. Mon plaisir, c'est pour qu'une fois que le visiteur est sur le parc, il puisse contempler un peu ses chefs-d'œuvre. Et c'est dans les serres que Sadek crée de nouvelles taupières, comme celle à l'effigie de Mickey et de Minnie. Ça se passe bien? Ça va, ça a l'air d'aller. Vous avez reçu le lire? Oui. Comme on voit, on a des oreilles, donc on utilise de la mousse séchée, qu'on puisse éventuellement plus tard, avec une bombe, donner la couleur qu'on veut. Hein. Et là, on va en piquer des fleurs. À l'atelier de décoration florale, les taupières sont fleuries par Daphné et son équipe. Nous sommes en train de réaliser le nœud de Minnie. On a déjà réalisé la jupette, le garnissage en lierre et le tour rouge et l'intérieur blanc. Le principe est de couper les fleurs avec une tige très petite et de venir piquer la fleur dans la mousse autour du grillage et d'ouvrir afin de compléter l'ensemble des fleurs. Les taupières seront installées au niveau de l'entrée du parc où les œillets seront hydratés tous les jours et brumisés. Et une